Salut tout le monde, bienvenue dans le 25e épisode de la série Track Day. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une Porsche, et pas n'importe laquelle, la Porsche Moby Dick, un modèle qui a participé aux 24 heures du Mans en 1978. C'était la troisième version de cette voiture qui a connu énormément de changements pour être adaptée aux 24 heures du Mans. Pêle-mêle, on citera le changement de moteur, donc qui est devenu un moteur refroidi par eau, alors que Porsche avait par tradition de faire des moteurs refroidis par air. Vous entendez ça souvent quand on parle notamment de coccinelle ou de certaines Porsche, enfin de beaucoup de Porsche pour le coup. Le moteur équipé dans cette Porsche est un 3 litres 2 qui développe 750 chevaux. Le poids est allégé à un peu plus de 1000 kg, 1030 pour être précis. Et quelques détails, donc pour la visibilité du pilote, eh bien le siège a été déplacé sur la droite afin que eh bien la vision soit un peu meilleure sur des circuits comme Le Mans où il y a beaucoup de virages à droite, donc c'était un peu mieux et surtout ça répartissait bien mieux le poids. Alors je vous ai cité la Porsche en étant la Porsche Moby Dick, pourquoi? Eh bien parce que c'est la forme de cette voiture, une longue queue blanche pour la traîne aérodynamique sur l'arrière de la voiture qui la faisait ressembler tout simplement à Moby Dick. Il faut parfois pas chercher très loin. Lors des 24 heures du Mans 78, Porsche avait fait la pole avec la Martini, mais malheureusement, c'est la Renault de Didier Pironi et de Josso qui a remporté la course cette année-là, avec également une carrosserie un petit peu spéciale. Voilà, vous connaissez la tradition dans la série Track D, on monte le son et on profite. Si vous souhaitez télécharger ce mode, c'est bien entendu dans la description, la voiture comme le circuit de Road America.